Certains pensent que le premier mutant est né voici plusieurs milliers d'années. C'était une sorte de dieu. Et il s'apprête à renaître. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes perdus car vos chefs sont aveugles. Fini les fausses divinités. Maintenant je suis là. Il avait toujours quatre disciples. Comme les cavaliers de l'Apocalypse. Ensemble, nous purifierons la terre pour les plus forts. Nous allons tout leur prendre. Il entend détruire notre monde. Des milliards de victimes. Et il y a le phénomène de walking. Et là, j'ai pris ce mot-là et j'ai décrit ça dans un livre parce que pour moi, c'est important que les personnes arrêtent d'être dans l'ignorance ou au contraire pensent que tout le monde est extraterrestre sur Terre ou que tout le monde est reptilien ou que tout le monde est walking. Non, mais il y en a. Et donc, le phénomène de walking, c'est spécial, enfin spécifique. Ce qui s'est passé, par exemple, pour moi, mais ce qui se passe quelquefois. Ça n'est pas un phénomène qui est très fréquent dans la mesure où c'est difficile quelquefois de pouvoir adapter un corps physique à une entité qui ne fait pas partie de ce corps physique en fait au départ, qui emprunte ce corps physique. Et dans le phénomène de walking, il faut une entente entre deux personnes, sinon c'est de la possession. À ce moment-là, on va assister à un phénomène de possession, je prends le corps de quelqu'un, il est d'accord, il n'est pas d'accord, je m'en fiche, mais je le prends quand même. Et là, c'est de la possession. Walking, c'est deux êtres qui, à un moment donné, s'accordent pour proposer, disons, il y en a un qui va prendre le corps d'un autre. Et la personne qui est dans le premier corps va aller sur les plans subtils qui lui correspondent. Mais en même temps, elle bénéficie d'une chose importante, c'est qu'elle est, disons, libérée de ses histoires karmiques. Parce que c'est la... Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du phénomène de walking. D'après la résonance de Schumann, notre planète vibre à une certaine fréquence qui, jusqu'à présent, avait permis à l'humanité de se développer sur un certain plan d'évolution. Mais depuis plusieurs années, la Terre augmenterait ses vibrations et ferait donc sa propre transition vers un nouveau plan d'évolution. La résonance de Schumann, pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi toutes mes vidéos, je vais faire un petit récapitulatif. De 1952 à 1957, le physicien allemand Winfried Otto Schumann s'était lancé dans une série de recherches dont l'étude portait sur la propagation des ondes électromagnétiques dans l'espace entourant la Terre. Schumann savait que des décharges électriques dues aux orages produisaient des ondes électromagnétiques. Il remarquera que lorsque de telles décharges avaient lieu dans l'atmosphère, elles produisaient des ondes de basse fréquence. Et toutes ces ondes électromagnétiques entraient en résonance avec la cavité formée entre l'atmosphère terrestre et la ionosphère. Ces ondes furent appelées résonance de Schumann. Pendant de nombreuses années, cette fréquence de résonance était restée constante à 7,83 Hz avec seulement de légères variations. Et en juin 2014, elle serait montée jusqu'à 8,5 Hz. Et depuis, on aurait enregistré des jours où la résonance de Schumann aurait atteint des pics jusqu'à 16,5 Hz. Et en 2017, on aurait atteint un pic de 36 Hz. C'est pour vous dire comment ça monte assez rapidement, ces vibrations. Pourquoi les fréquences des résonances de Schumann seraient importantes? En fait, notre cerveau est en résonance harmonique avec ces résonances de Schumann. Et donc, toute variation de ces fréquences vont automatiquement modifier le fonctionnement de notre cerveau. Mais aussi, l'éveil de la population mondiale peut sans doute modifier ces fréquences qui s'accélèrent en donnant l'impression que le temps s'accélère et que les événements et les changements dans notre vie se produisent beaucoup plus rapidement. Donc, cela va signifier que nous sommes en train de changer. Du moins, nous sommes en train de rentrer dans une nouvelle phase de notre évolution. Puisque nous vivons sur cette planète, nous n'avons donc pas le choix. Il faut, nous aussi, nous acclimater et donc vibrer à une fréquence supérieure si nous voulons la suivre. Ce qui, vous vous en doutez, n'est pas sans poser certains problèmes aux humains, d'où l'incarnation de certains êtres venus de dimensions
bien supérieure afin d'aider à réaliser ce passage obligatoire. Beaucoup de ces êtres venant accomplir ce passage sur le plan terrestre choisissent de s'incarner le plus normalement possible dans le corps d'un bébé, hein, alors que d'autres utiliseraient le canal du walk-in. L'expérience de walk-in, c'est un transfert d'âme. C'est en quelque sorte une entente entre deux âmes. Hein. L'âme qui est dans le corps décide qu'elle ne veut plus continuer de vivre. Hein. Et au lieu de faire mourir son corps, une autre âme va continuer de vivre sa vie à sa place. Il y a une âme sortante et une âme entrante. D'où les termes anglophones walk-in et walk-out. Les walk-in sont des âmes qui entrent en général dans les corps et continuent de vivre la vie de ces personnes. Elles connaissent plus ou moins la mémoire et l'histoire du corps, tandis que d'autres âmes, tandis que l'autre âme continuera son cheminement en se réincarnant et en naissant à nouveau dans un nouveau corps. Les personnes qui connaissent ce corps avec cette nouvelle âme ne verront aucune différence, même si l'esprit a changé d'identité. Toutefois, il ne faut pas confondre le terme walk-in et le terme possession. Il ne s'agit pas de la même expérience. Premièrement, parmi les walk-in, il y a une entente entre les deux âmes. Ce transfert ne se fait pas contre la volonté des âmes. Pour ce qui est des possessions, il n'y a aucune entente entre l'âme ou l'esprit qui décide de posséder le corps d'une personne. L'esprit finalement finit par violer la loi du libre arbitre en possédant la personne. La raison pour laquelle un walk-in choisit de prendre le corps d'une personne est tout simplement pour ne pas passer par le stade de la naissance et de l'apprentissage. Quand on entre dans un corps adulte, plusieurs expériences et connaissances sont déjà apprises. Donc le walk-in passe par-dessus toutes ces étapes pour ainsi accomplir sa mission de vie plus rapidement. La différence entre un walk-in et une âme qui entre dans un corps de bébé, c'est que le walk-in décide d'entrer dans le corps d'un adulte ou même d'un enfant d'un certain âge. De ce fait, il n'a pas besoin de passer par les stades d'apprentissage d'un bébé ou d'un enfant. Quelquefois, quand une femme donne naissance à un bébé qui est mort, c'est qu'il s'agit d'un corps où il n'y avait aucune âme attachée, une âme d'attache. Pour que la vie existe, il faut une âme et un corps. S'il manque l'un des deux, la vie ne peut pas exister. Les walk-in sont donc des âmes qui viennent occuper un corps humain sans avoir à passer par la naissance, la fréquentation de l'école primaire et les autres nécessités de la petite enfance. D'une manière générale, les âmes discutent longuement avant d'en arriver à une telle entente. Elles font des expériences au cours desquelles l'âme walk-in essaie son nouveau corps éventuel, et où l'âme walk-out, c'est-à-dire l'âme qui quitte ce corps, fait l'expérience d'être libérée de son corps. Les deux âmes doivent être entièrement d'accord pour que l'échange intervienne. Étant donné le caractère irréversible de la procédure, les deux parties doivent être absolument certaines que c'est bel et bien ce qu'elles désirent. La date est alors fixée pour le croisement, c'est-à-dire la rentrée de la nouvelle âme et la sortie de l'ancienne. C'est-à-dire le moment de l'échange qui peut, par exemple, intervenir pendant que la personne dort, fait la sieste ou médite. L'ancienne âme finit par quitter alors le corps et pénètre dans l'au-delà, exactement comme si elle était morte. Et la nouvelle âme se glisse immédiatement dans le corps pour prendre la relève. Habituellement, les deux âmes vont se côtoyer pour 3 ou 4 mois, ou même un an avant un transfert définitif. Les deux âmes peuvent habiter le même corps. Il y a même une période d'essai qui se produit durant la nuit afin que le walk-in puisse utiliser le corps pour être certain de son choix avant le transfert final. Avant qu'un transfert ait lieu, la personne peut commencer à ressentir de la fatigue, de la dépression, et même des tendances, voire suicidaires. Pendant le transfert, il y a des guides spirituels présents pour aider dans le processus. Ils sont comme des médecins qui subissent l'opération. La plupart du temps, les gens ne sont pas conscients que le transfert a lieu. Le walk-in peut se faire dans le corps pendant la nuit. Par contre, on remarque que de plus en plus de personnes sont conscientes du transfert d'âme. Cela dit, il y a de plus en plus d'expériences de walk-in sur la Terre présentement. À l'heure actuelle, il y a plus d'un million de personnes qui seraient des walk-in, étant donné leur mission dans la collaboration de l'ascension planétaire. Du moins dans la nouvelle phase dans laquelle nous entrons actuellement. Lorsque le transfert d'âme a lieu, vous vous sentirez complètement différent du jour au lendemain. Vous ne reconnaîtrez pas les gens autour de vous. Le transfert peut avoir lieu lors d'un accident, d'une maladie, d'un coma, d'une expérience de mort imminente ou d'un traumatisme.
À la suite de cet événement, vous ne serez plus la même personne. Après un transfert d'âme, on remarque souvent que la nouvelle âme soit décidera de divorcer de son conjoint, puisqu'elle n'aura plus aucune affinité avec la personne que l'autre âme fréquentait avant. De plus, elle peut changer d'emploi assez soudainement. La personnalité deviendra complètement différente. Hein. Les goûts sont complètement différents, que ce soit de la nourriture, de couleurs, de vêtements, d'activités, d'amis, etc., etc. Bon, ça, c'est vrai qu'on le retrouve aussi dans les cas de possession. Lorsqu'une personne est possédée, son tempérament se modifie. Mais là, il faut préciser que nous sommes dans un phénomène de walk-in, c'est-à-dire c'est une entente entre deux âmes. C'est bon, c'est un transfert à l'amiable entre deux âmes, en fin de compte. Avant le transfert d'âme, les deux âmes peuvent exister dans le même corps. De ce fait, la personne peut entendre deux voix dans sa tête sous forme de bataille d'ego. Ben, il y a aussi des transferts d'âme qui se font d'une âme extraterrestre à un humain. Il paraît qu'il y a plusieurs walk-in extraterrestres sur la Terre présentement en vue des changements planétaires pour l'ascension. Étant donné que les entités extraterrestres sont plus évoluées que les humains, leur présence est très importante pour favoriser le processus de transformation. Ben, certaines personnes présentes sur Terre savent qu'elles sont un walk-in extraterrestre, mais en observant cette personne, vous ne pourriez pas imaginer qu'elle est une entité extraterrestre. Eh ben, ce phénomène de walk-in s'est probablement accéléré ces dernières années en vue de l'avènement de ce mystérieux grand monarque. Je pense que l'arrivée de ce grand monarque sera suivie par ce phénomène de walk-in. Bon, il n'y a pas que des entités extraterrestres qui viennent occuper le corps d'une âme décidée à la quitter, hein. Mais bon, ça, c'est une autre vision de l'existence et de l'activité des âmes. Bon, vous allez vous poser cette question. Est-ce que c'est autorisé par le créateur des mondes, le phénomène de walk-in? Ben, dès l'instant où c'est une entente entre deux âmes, parce qu'il faut expliquer une chose, hein, dans un phénomène de walk-in, lorsque une âme décide de quitter son corps pour laisser une autre âme venir, ce que cette âme a contracté pendant son bref séjour sur Terre est enregistré dans son subconscient, il ne faut pas l'oublier. Par exemple, si cette âme qui a quitté assez rapidement son corps avant qu'il arrive à terme, c'est avant qu'il meure d'une vie terrestre, eh ben, cette âme, si elle a contracté une dette karmique, eh ben, lorsqu'elle se réincarnera, elle devra la payer. Ça ne sera pas la nouvelle âme qui va venir s'incarner qui va payer la dette de l'ancienne âme, ça il faut bien le préciser. Mais bon, quant à cette question, est-ce que c'est autorisé par Dieu? Bah, dès l'instant où c'est pas une possession, je pense que le créateur des mondes laisse plus ou moins faire. Si, bien entendu, l'âme qui revient dans ce nouveau corps, bon, ce nouveau corps, le corps laissé par l'ancienne âme, n'est pas un criminel ou une entité maléfique qui va se mettre à faire le mal. Dans ce genre de conditions, je pense qu'elle sera vite freinée. À freiner. Je pense que quand une entité maléfique rentre dans sa corps pour commencer à tuer des gens, c'est ce qui se passe réellement pour les serial killers. Hein. Ce sont des gens possédés par des entités qui viennent du bas astral qui les poussent à commettre ce genre de crime. C'est pour cette même raison que certains de ces serial killers ne savent même pas ce qu'ils font. Ils disent que oh là là, j'étais inconscient, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et nous-mêmes, quelquefois, nous sommes pris d'une colère incroyable. Et ensuite, on se calme. C'est probablement que vous avez une entité qui passe et qui ressort assez rapidement. Elle ne reste pas dans le corps. Bon, maintenant, vous avez compris ce que c'est que le phénomène de walk-in. Hein. Bon, je sais, pour les religieux, ça va être difficile à accepter, ce genre de phénomène. Hein. Parce que pour tout religieux, une âme qui rentre dans un corps, logiquement, elle le quittera lorsque ce corps décédera. Mais il faut comprendre qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses que les religieux ne savent pas trop sur l'activité des âmes dans notre monde. Peut-être que c'est une nouvelle phase qui est en train d'être testée par le créateur des mondes, on ne sait pas. Et certaines de ces âmes, peut-être qu'avant de s'incarner, elles s'accordent pour faire un temps de vie assez court, ensuite céder son corps à une autre âme. Ce genre de choix doit se faire bien avant l'incarnation, je pense.
Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.